Oh putain, mais c'est un bateau là-bas. Ouais, c'est un bateau. Oh, et je sais pas si tu te souviens d'une certaine phrase que j'avais dite. Du style, oui, bah, signal, peut-être un bateau. Ah oui, non, ah oui, c'est un bateau qui peut être. T'es derrière. Récupérer la note. Oh, ça va. Ça sent la grosse lecture là pour moi bientôt. Ah, bah, amène le pied de biche, il nous le faut. Ah, oh, tu peux. Non. Mais je pense qu'une batterie, ouais, si on pouvait. Oula, un rat. Je te laisse le tape, c'est un rat. C'est un rat mutant, ça. Je vais pas trop le laisser. Oh, une petite viande. Alors. Un coupe-boulon. Coupe-boulon, ok. Ok. Une clé bleue. Ah oui, putain, va vraiment falloir rechercher plein de trucs là. Ok, donc on peut pas ouvrir les portes. J'ai une clé rouge. Oh, t'as vu tout le plastique. Ouais, j'en ai plein déjà moi. Pour ça que je t'avais dit de bien piquer tes poches. Bonbonne de gaz, on a une réserve de gaz. Ok. Encore tout ça, c'est des trucs qui nous utilisent, qui nous appartient pas en soi. Tu vois, dans le stuff, on l'a pas quoi. Ouais, ok. Clé rouge, bah bon. Ok, fais gaffe parce que s'il y a des gros rats. Oh là 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 là. J'ai une pièce mécanique. Oh, je suis content de. Eh bien, je sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça va être. J'ai un coupe-boulon. Ah, bah on va devoir faire demi-tour alors. Ah, mais voilà, regarde, tu vois. En fait, c'est pour fabriquer des trucs. Bon, je. Nécessite un fil électrique, un briquet, un réservoir de gaz, une balle. Et 5 pièces mécaniques. Ok, d'accord. J'ai récupéré des notes. J'ai déjà oublié la clé. Ouais, la clé bleue. Ah, t'as pris la clé. Attends, toi, il s'est ouvert et pas moi. What the fuck. Okay. J'ai trouvé une balle. Encore des notes. Les notes, on va faire une section lecture après. Ah, pièce mécanique encore. Ça, on en a besoin de 5. On a trouvé combien là déjà? Ah, j'en ai encore une. 2. 3. Donc ça fait 3 du coup. Ok, j'ai un coffre fort ici. Ouais, apparemment il y a aussi un rat. Il y a des rats partout. Hein. Ouais, moi aussi. Il faut un code numérique 4-4 chip. Donc dès que tu l'as, tu me dis. Ça marche. Carte d'accès, on me fait une carte d'accès. T'en as encore de la nourriture? Je te les ai donné là. Ah, oh, mais t'en as encore toi? Pour toi? Ah, oui, bah oui, heureusement. Ok. Ah, la petite pièce mécanique, nickel. Hop, ça va. Alors, ça, tu vois, faut toutes les ouvrir en vrai. Parce que du coup, après, on est tranquille. Code numérique et 4 chiffres. En fait, c'était... où est-ce qu'il y a des objectifs, il y a toujours un rat qui respawn. Ah, effectivement, il y a un rat où je suis. Ok, donc qu'est-ce que je vais avoir? J'ai récupéré un fil électrique. Et voilà. Je vais construire aussi le. Par contre, les rats ils sont. Mais ils sont gros. Ils sont gros, ils sont un peu énervés aussi. J'ai trouvé la carte d'accès. Attends, j'ouvre vite fait les portes. Ah, t'as trouvé un cric ou pas? Non. Mais le cric, c'est un. Je crois qu'on le fabrique le cric. Attends, j'utilise le cric. Vas-y. T'as pu l'utiliser? Ouais, c'est bon. Je te laisse guetter du coup la pièce. Ok, pour l'instant il n'y a pas de rat. J'ai trouvé une pièce. Non, tant que t'es dans la pièce, ils vont pas te respawn. Non, tant que t'es dans la pièce. Du biocarburant et tout. Clé verte. Il m'en faut une. On a une. Non, on a pas la clé verte. Ah, et tout en haut, il faut une bombe. Ok. Donc il nous manque bombe, clé verte. Attends, il y a vraiment un petit côté énigme et tout. Enfin, pas énigme, mais. Oh, la clé verte. Bravo. T'avais clairement oublié une porte. C'est vrai? Ouais. Ah bah t'as la bombe. Ouais, okay. Je l'ai dit, j'avais déjà pris le coup, comme ça on avait plus qu'à. Comment qui gère? Écoute, j'espère qu'il n'y en aura pas de trop. Parce que ma lance est bientôt morte. Au pire, j'ai encore les flèches. Cours! J'ai pas peur, moi! J'ai pas peur, hein! Hop, des caisses, ferraille partout. Un volant. Des notes. Oh putain, c'est bon ça. Des notes. Un moteur. Ah, on a un moteur. Des notes. Des notes, t'as encore des notes. Tiens, bah attends. On va juste faire ça avant. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 1, 0, 2. C'est pour ça qu'il va nous falloir le moteur. Ok. C'est à l'arrière. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que ce bâtard va probablement survivre. Jens, nous sommes presque à court de vivres. La moitié de l'équipage a été embarquée sur les canaux de sauvetage. Cette poubelle est en train de couler et tu continues à te préoccuper du rat. C'est pas normal, tu sais. Cette bestiole, elle a bouffé la moitié d'un récipient de mort au rat et est quand même parvenue à emprunter les conduits jusqu'à la cabine de pilotage. L'effet du poison s'est peut-être estompé. Qui de la foi ou Olof lui a tiré dessus? L'impact de la balle était tellement puissant que cette bestiole a fait un saut périlleux. Il a peut-être fait semblant. Dans ce cas, comment expliques-tu qu'il ait survécu la fois où Karl l'a plongé dans un seau d'eau, gros malin? C'était sûrement un autre rat. Il y a un autre rat. Journal d'approvisionnement. Jour, on s'en fout, bordel. Les stocks de viande sont presque épuisés et nous devons nous contenter de légumes. Nous en avons encore suffisamment pour un mois, je crois, à condition que notre autre accepte de rationner davantage. Qu'est-ce que t'as? Ça me fait marrer. Non, excuse-moi, vas-y, continue. Non, le, tu dis ça, le... on s'en fout, bordel, normal, tu sais. Mais non, mais c'est le, c'est ce qui est écrit. J'ai fait, waouh, bah c'est bon, non. C'est quand même bizarre qu'Olo ait toujours sa grosse panse. Il doit être le dernier gros sur Terre. Oh putain, c'est violent. James, qu'est-ce que tu fous dans un chien? T'es encore en train de chercher ton rat? Garde tes sales pattes dans mes réservoirs de gaz compris. D'accord, d'accord, je m'en vais. Ne me chie pas une pendule. J'ai même pas touché des réserves de ta copine. Je vais te péter le nez si tu te casses pas vite fait. Il va falloir renforcer la sécurité ici. Ok, d'accord. Donc il y a de la bonne ambiance, ça c'est con. Clairement là. C'est activé, putain, il faudrait mieux. J'ai déjà essayé 3 fois, capitaine. Je suis désolé, mais nous devons regarder les choses en face. Votre fief n'a pas l'air de baisser. Vous aviez raison, nous nous sommes lancés dans ce périple avec rien d'autre qu'un garde-manger à moitié vide et un autre et aucun médecin. Je ne pense pas que nous allons nous en sortir, et je crois qu'Olof le pense aussi. Il se balade nonchalamment sur le navire et garde un œil sur l'arme dans le coffre-fort. Je me demande s'il sait qu'on a pris les balles. Quand j'observe les autres perdre espoir et se contenter de la bouillie sur leur... que leur sert Casper, je réalise à quel point nous avons besoin de toi. Je ne suis pas doué avec les mots, mais te voilà, sale petit rat queener. Viens ici, espèce de... Ok. Je m'appelle Olof Wickstrom. À quiconque écoute ce message, voici ma dernière volonté, mon testament. Je reconnais avoir pris la fuite, abandonnant mes électeurs et le projet de reformation. Le monde aurait peut-être pu être sauvé, mais je n'étais pas en... Attends. Mais je n'étais encore une fois qu'un homme. Quel impact aurais-je pu avoir? Le bateau est prêt, Olof. Si je quitte mon équipage et mon bateau, ce n'est pas par couardise, mais bien par nécessité. Ma maladie m'empêche de diriger correctement ce navire et nous fait partir à la dérive. Le moteur cale. Répare-le dans ce cas. Où en étais-je? Ah oui. Peut-être trouverons-nous autre chose dans un endroit plus sec, plus loin au sud. Ces sanctuaires situés en Arctique nous ouvriront peut-être leurs portes. Un homme comme moi pourrait leur être utile, même maintenant. Le tuyau de carburant est coupé. Peut-être accueillerons-nous une nouvelle ère. Qu'est-ce que tu veux dire par couper? On dirait qu'il a été rongé. Espèce de... Olof se barre avec le canot, chope-le. D'accord, ok. Pourtant, il existe encore des endroits secs. Mais l'envahieuse, Mathilde, tu n'aides pas. Comment on est un truc bordel? Toi, ferme-la, j'ai vu des endroits. Il existait même des cartes pour s'y rendre. Ce ne sont que des cartes, mec, de simples plans. Rien. Comment espères-tu trouver un endroit sec ici? Le monde entier est englouti sous l'eau, bordel de merde. Pas ici, mais là, plus loin au sud. Il y a encore des endroits préservés sous la glace. L'Antarctique, tout ça, ils ont créé des endroits avant que tout ne sombre sous l'eau et ils s'y sont barricadés, laissant les pauvres gens livrer à leur sort. Mec, tu racontes vraiment de la merde. Mec, je te jure. Mec, je suis tombé sur un type, un chinois, je crois. Oh putain, oh, la mauvaise histoire qui commence. Je crois... Je l'ai trouvé dérivant au milieu de nulle part. Il semblait perdu en mer depuis des semaines et il a à peine réussi à aligner 2 mois avant de clamser. Il m'a dit qu'il existait encore des endroits secs au sud. Il serait alimenté par des réacteurs à fusion nucléaire. Ouais, la bayoute. Nous pouvons y aller, mec. Et emmener le bateau vers le sud. C'est moi, ce rocher se rapproche. Non. Voilà. Ça, voilà. Là, voilà. Ok. Putain, mais ça... Oh, mais ça prend masse planche. Ouais. Et puis regarde, ça fait qu'à moitié, hein, non? Oh, là, cette machine de schlagos. Ah, c'est horrible. C'est en mode win, on va dire. Alors attends, c'est qu'est-ce qu'on met? On met les démoteurs et le boulon à côté en même temps? On met de bas les couilles? Attends, ça veut dire quoi, ça? Là, le 1 égale 100. Une roue égale 100. 100... Ah, on peut faire 100 trucs de taille, là, du coup? Ça fait avancer 100 trucs, j'imagine. Faut qu'il est, bah.
suis en train d'essayer de faire orange, je t'avoue, c'est complexe. Alors, viande attends. D'un côté. J'essaye de nous faire tourner déjà. Je sais pas vraiment si on avance vite là. L'encre est descendue. On avance pas là. Voilà, là on avance. Oh, ça tourne trop bien! Vas-y, dis-moi quand on est dans la bonne direction, s'il te plaît. Bah, je sais pas justement, c'est toi qui y es. Non, mais la direction. Mais alors là, on va faire un tour sur soi-même si tu fais pas attention. Dis-moi, par où? À droite. Ok, tu me dis stop. Putain, c'est tellement bien ça. C'est bon? Encore. Attention, encore un petit peu. Vas-y. Stop. Ok. Tout droit. Nickel. Et est-ce qu'on avance vraiment plus vite là? Parce que pour moi on avance à une vitesse folle, mais. Non, on avance vraiment vite. Ouais, c'est vraiment cool. En même temps, on a quand même. J'ai pas checké, hein, mais ça me paraît logique en fait. On a quand même deux moteurs. Hein. Je vais faire un par un, je te le dis, ça va être relou, mais au moins. Oui, vas-y. On range tout, et moi je pense que je vais essayer d'agrandir le bateau. Juste touche pas à tout ce qui est bois qui va se choper et tout ça. Bon, là tu ranges ça en mode je m'en fous, hein. Clairement. Donc là maintenant ça va être. Les ressources donnent d'autres ressources et ça va être les mêmes choses. On va les mettre au même endroit. Genre les feuilles, ça fait des cordes. Ah non, on sera pas en train d'arriver déjà? Non. Parce qu'il y a une grossie en face de nous. Non. Par contre, vu que c'est une grossie, je m'arrête très bien. Hein. Comme ça. Attends, mais il y a un truc là-haut. Mec. Il y a clairement une antenne. Hein. Bah non, mais comme d'hab, comme l'autre. Bon bah je vais chercher du bois tout à l'heure. Ça fait plaisir. Je défends le radeau, je fais tout. Par contre, c'est un style d'île qu'on n'a pas eu encore, je crois, ça. Non. Fais gaffe juste au sanglier et tout, hein. C'est... Ah ! Cyril ! Ça bug. Ah ! Cyril ? Oui. Y a un ours qui m'embête. Un ours ? Oui, y a un ours. Regarde-lui, il est en train de bugger contre la plage. Je reviens, je vais chercher des flèches. Obligé de le chasser, hein. Désolé les gars, mais... Ah mais je sais qu'on doit le chasser et... Je m'attendais juste pas à voir un ours quoi. J'arrive. On va le flinguer. Puis il y a le requin qui nous défonce. Il est parti? Non, je suis en train d'enfuir là. On sait bien qu'il bouge pas comme ça. Nickel. Il y a quand même un petit sapin que je peux couper. Ah ouais. Oh, des pommes de pin. Mec, si les pommes de pin, tu peux les planter direct, hein. On remplace ça que le palmier. Hein. Parce que ça ouais, donne que du bois. C'est meilleur. Ouais, voilà. On va passer par là. Ah, ça c'est des abeilles par contre. C'est des abeilles bouge pas, j'arrive. Ah, mais attends. Ah, d'accord, en fait c'est des endroits où il y a du miel. Ok. Bonjour. J'arrive. Je voudrais juste avoir le bois qui est là. C'est bien du coup, on a découvert une île où il y a des abeilles. Alors, j'ai pas l'impression qu'elles attaquent. Tant qu'on touche pas à leur miel. Il est nul, hein. Voilà. Tiens! Ours, nul à chier. Oh okay. Bah si, il y a une tête! Moi qui ai la tête d'ours. Tu vois? Oh, et celle-là elle va bien! Voilà! Ouais, elle va bien celle-là, nickel. Celle-là elle va bien. Alors. Ah, c'est peut-être ça l'île en vrai. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, et en fait l'émetteur il est plus loin. Bah ouais, c'est possible. Enfin, là elle est vachement grande cette émetteur. Oh, regarde, il y a un campement, un espèce de campement. Ouais. Bon, je te laisse arrêter quand il faut s'arrêter. Ouais,
ça marche. Du carbonate de je sais pas quoi, on va le mettre là pour l'instant. L'argile, qu'est-ce qu'il y a besoin avec de l'argile? Rien pour l'instant. Ça fait très longtemps qu'on en a pas utilisé. Oh, il y a une brouette. Ouais. Ok, nickel. Ouais. Ok, ça monte sec. Attention, il y a des ours. Nécessite 5 baies sauvages. Ok. On va essayer de trouver des baies sauvages du coup. Je peux mettre des baies sauvages dans une espèce de boîte. Vas-y, on teste, hein. Bah, pour ça il me faut des baies déjà. Ah, j'ai trouvé des baies. Je me demande bien ce que ça va faire. C'est ça, hein, c'est des baies sauvages. Ramasser baies sauvages, ok, il m'en faut 50. Déjà ça fait 3. Ah, il y a un panneau. Ok, donc là c'est l'endroit où il y a les ours. Relais station. Ok. Attends, relais station 2. On va aller... à la 2. Mais au moins on est tranquille. Alors, c'est quoi ça? Le stuff d'Henri. Eh, je peux pas le ramasser. Ok, yes. Ranger station, relais station, c'est par là. Ok, donc là il y a des barricades. Ah oui, d'accord, ça déconne zéro. Ok, je vais peut-être avoir un petit souci, Cyril. De... Oh putain. Il se peut que je sois en train de sauter. Il se peut que je sois en train de sauter sur des bidons au milieu d'une mare radioactive. La chance, mec. Oh, ça a l'air d'aller voir ça. Ok, j'ai traversé la mare radioactive. Et je suis arrivé à la station relais. Mais bon, c'est pas très bien organisé, je trouve, quand même, ce que j'ai fait, mais bon. Ah oh oui, d'accord, donc c'est la station relais, mais pépouse, quoi, ils ont des chaises pliantes et tout. Oh putain, ok, il y a des radios. Il y avait sûrement des... Ah, des notes. Putain. Bah, je pense que c'est le bon... Ah. D'accord, il faut que j'active toutes les stations relais, du coup. J'ai juste vite fait aller à la Ranger Station. Et j'ai manqué de flotte aussi. Ranger Station. Ok. En flotte, je vais essayer de te ramener ma flotte, mais... Ah, il me faut une ampoule. Une ampoule. Et j'ai trouvé... Ouais, c'est comme ça, là. Enfin, ah, plomb. On va peut-être des... Tiens, bah, par rapport à du ouais. Bicarbonate, je sais pas quoi, là. Ouais. Et alors, attends, il nous faut l'acide Bruno. Il faut qu'on trouve. Donc, il faut qu'on trouve l'acide Bruno et une ampoule, pour l'instant.